La bosse, ils avaient du mal, donc je suis revenu là, j'en ai profité. Mais c'était dur. Les derniers kilomètres, hein, parce qu'il y en a qui sont sortis sur la fin, ils étaient sortis à deux, je crois, sur la belle route. Vous les avez rejoints où? Bah là, à un kilomètre, là. On est revenu et après c'est fait au sprint. Voilà, moi je dis un petit peu aujourd'hui, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, pour durcir l'épreuve, ça manquait un petit peu de vent, non? Oh, il y avait du vent quand même. Là, ça... Et puis le circuit est très dur. Circuit qui paraît facile, et les petits coups de cul là, il est usant. Hein. Ça monte et ça descend tout le temps. Ça monte et ça descend. Satisfait? La descente qui était difficile, satisfait? Première victoire de la saison? Première victoire. Déjà, première victoire en tout. Ça fait 5 ans que j'ai débuté ma première victoire. Ben, on est tous invités ce soir chez vous pour arroser ça. Voilà. Et puis, on va accueillir également celui qui a été l'un des animateurs. On l'a connu plus chevelu sur les podiums. Mais c'est le retour de celui qui est venu s'imposer, de Christophe Maloual. Christophe, on vous a vu à un tour de l'arrivée tenter de dynamiter un petit peu ce peloton. Parce que je pense qu'à ce moment-là, vous êtes dit on est trop nombreux, non? Bon, j'ai essayé de tenter ma chance là, juste avant de virer avant la descente. Là. J'ai dit je vais risquer un peu, mais on ne sait jamais. Quoi. Et puis bon, j'ai un peu un manque de compétition. C'est dur à remettre en route comme ça, après, hein, on va pas dire le nombre d'années pour les demoiselles, mais après un certain nombre d'années, on a arrêté au bout de 20 ans comme ça, je crois que le plus dur, c'est comme moi, c'est quand on se remet à faire du vélo comme ça, c'est de perdre les kilos, donc dans les bosses, non? J'ai perdu, en 2 ans, j'ai perdu 20 kilos. Voilà, c'est une bonne recette. Si vous voulez maigrir, hein, vous prenez la recette avec Brice qui a l'air de dire, ah ben dis donc, il a fait un régime efficace, non? Non. Moi j'ai mon gamin qui m'a remis un peu de nage. Et puis il y avait le gamin, puis il y a papa qui était là aussi qui devait dire faut que tu remettes ça, non? Pour la sécurité du gamin, il faut ça. Voilà, on va vous laisser récupérer, on vous remercie, on procédera à la remise des gerbes, à la remise des trophées après l'épreuve, la dernière épreuve. Je crois qu'on peut les applaudir une nouvelle fois, brillant vainqueur.